qui passez par là. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle multiprise connectée. Il s'agit de la multiprise Estinq. Donc pour changer, on va attaquer par la démo de cette dernière. Ensuite, je vais vous la présenter et vous donner ses caractéristiques. Et pour finir, on va l'intégrer avec le Google Home. Allume sortie 1. Très bien, j'allume l'appareil sortie 1. Donc là, on voit la LED qui s'allume sur la sortie 1 et l'appareil qui s'est allumé. Active sortie 3. Très bien, j'allume l'appareil sortie 3. Active USB 1. Ok, j'allume l'appareil USB 1. Éteint prise Estinq. Cette multiprise est une multiprise intelligente Wi-Fi, contrôlable à la voix et à distance. Elle dispose de 3 sorties européennes, 3 contrôlables individuellement et de 4 ports USB qui par contre fonctionnent ensemble. Autrement dit, si on en allume une, elle s'allume toutes et vice versa. Malgré qu'elle dispose de 3 sorties européennes, elle n'a pas de fiche terre. La prise terre sert de protection lorsqu'il y a un défaut de courant. Elle permet d'éviter l'électrocution si un appareil est mal isolé ou s'il y a une perte de puissance pour X raisons. Donc, très important, si vous souhaitez brancher un appareil de classe 1 disposant de ce symbole, comme un sèche-linge, une machine à laver, optez également pour l'achat d'un adaptateur de protection comme celui-ci. Au-dessus de chaque sortie, la prise dispose de témoins lumineux qui nous indique la mise en tension de cette dernière. Donc la prise fait sur sa longueur 26,5 cm pour une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 4 cm. Elle a une puissance maximale de 2500 watts et a une longueur de cordon de 1,8 m. À présent, on va faire la configuration de la prise. Donc on va aller sur le store et télécharger l'application Smart Life. Donc une fois téléchargée, on va l'ouvrir. On va devoir s'enregistrer, donc on va cliquer sur enregistrer et fournir notre numéro de téléphone ou notre adresse email. Définir un mot de passe ayant des chiffres et des lettres et appuyer sur confirmer. Pour pouvoir ajouter notre appareil, on va cliquer sur plus et le sélectionner. Maintenant, on va prendre notre multiprise et on va la brancher sur la prise murale et s'assurer que la lumière clignote rapidement. Une fois fait, on va cliquer sur la confirmation en bas en bleu. On va définir notre réseau, à savoir que les bandes fréquences de 5 GHz ne sont pas gérées. Donc une fois que vous avez noté votre mot de passe et défini votre Wi-Fi, vous cliquez sur confirmer. La configuration est terminée, donc à présent on va cliquer sur prise Estinq. Ici, on a une représentation de notre multiprise et en cliquant sur les différents boutons, on va pouvoir activer et désactiver les sorties. La sortie 3, la sortie 1, la sortie 2, les sorties USB, l'ensemble des prises. Pour l'intégrer avec le Google Home, on va aller sur l'application Home, on va cliquer en haut à gauche et sélectionner contrôle de la maison. Cliquez sur plus et recherchez le service Smart Life. Il se trouve à peu près en bas. Donc on descend et on sélectionne Smart Life. On va indiquer nos identifiants. Donc soit c'était notre numéro de téléphone et notre mot de passe, soit notre adresse mail et notre mot de passe. Vous autorisez. L'intégration est faite. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!